ça va être nice. Stressant un petit peu, là. Mais, that's it. Je vais faire ce que je peux. Essayer de faire de donner la meilleure performance possible. J'essaie d'être totalement naturel. Puis ce que j'exprime, puis la façon que je l'exprime, c'est totalement naturel. Sauf que c'est vraiment extroverti. Quand j'arrive sur une scène, c'est pas un rôle que je joue. C'est vraiment moi. Mais c'est juste que, pour une raison obscure, prend une autre personnalité totalement. Peut-être que, je sais pas, je refoule durant la journée, puis que quand je joue... Puis tu sais, j'ai la chance de jouer assez fréquemment là, sur scène. Je vais dans des clubs, des clubs de house, ou tu sais, des clubs des nightclubs. Puis je vais sur un cube dans le milieu de la piste de danse. Je me mets à improviser des solos de guitare sur du house. Et honnêtement, ces spectacles-là, genre, c'est dans les spectacles qui me stresse le plus, tu sais. Puis pourtant, ça n'a pas un impact déterminant sur ma carrière. C'est pas le même stress, hein. Parce que Guitar Hero, j'ai pas peur que le monde n'aime pas ça, ce que je fais. J'ai peur de pas gagner. J'ai pas peur de pas gagner, mais c'est ma crainte, tu sais, la principale. Pour les tailles de cette partie, au premier du tour de décider. J'ai ici à ma droite, cher mon bonhomme, avec sa magnifique barbiche, on a Kevin, on applaudit, s'il vous plaît. Une idée derrière la tête, puis mon idée c'est de gagner. C'est un peu poche, ça sonne même. À la gauche, on a Pierrot! Pierrot est le gagnant! Puis. Si je gagnais le concours, tu sais, je prétendrais pas que je serais le gars le je veux dire, c'est une notion bien ben bizarre de dire c'est qui est le meilleur, tu sais. Moi, je trouve que ce concours-là, il est, en tout cas, pour la majorité des concurrents, c'est axé sur la vitesse, la technique. Moi, je pense que la personne qui est la plus susceptible de gagner, c'est celle qui va le mieux s'adapter à toutes
les différentes situations. Dans le fond, le hero, c'est la personne que tout le monde regarde et dit « Wow, lui, il m'inspire, tu sais. »